السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير فينما كنتوا في هذا العالم. سعيدة مرة أخرى بلقياكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم المحادثة باللغة الفرنسية، وأعدكم بإذن الله أنكم إذا تبعتوا معي غادي تعلموا الشيء الكثير من هذه السلسلة. اليوم نحن في الشارع، نحن خارجين ونريد الذهاب إلى مكان ما، ولكن للأسف ما كنعرفوش لا نعرف الطريق التي ستؤدي بنا إلى هذاك المكان. إذا غتكونوا متفقين معي أننا وقع لنا في حياتنا كلنا أننا طلبنا شي مرة من أحد المرة من أحد ما التقيناه في الطريق أنه يرشدنا إلى الوجهة ديالنا. إذا هنا باللغة الفرنسية كنقولوا demander son chemin, d'accord, c'est ça, demander son chemin. Et comme réponse, inshallah, nous allons voir indiquer le chemin à quelqu'un. Alors, comment demander son chemin à quelqu'un, يعني كيف أطلب طريق من شخص ما. Et comme réponse, كإجابة, comment indiquer le chemin à quelqu'un, يعني كيف يمكنني أن أرشد أحدهم المكان الذي يريد أن يتوجه إليه. Voilà, donc restez avec moi, ne quittez surtout pas. Alors, nous voulons nous rendre à la municipalité. بغينا نريد أن نذهب إلى البلدية، ولكننا لا نعرف الطريق التي ستؤدي بنا إلى هذا المكان. إذا سأطلب من أحد المرة. Alors, pour demander son chemin, il y a différentes façons de faire ça. Première chose, il faut arrêter la personne. Donc, ça pourrait être une dame, ça pourrait être un monsieur. D'accord? Et donc, comment je peux l'arrêter? Gentiment, poliment, je vais dire, pardon madame, pardon monsieur. D'accord? Donc, si c'est un monsieur, je vais dire, pardon monsieur. Si c'est une dame, je vais dire, pardon madame. D'accord? Pardon monsieur. Je commets toujours cette bêtise. Alors, pardon monsieur. D'accord? Ou alors, pardon madame. Ça, c'est juste pour l'arrêter. D'accord? C'est bon? Alors. Et puis, je vais poser la question suivante. Alors, je peux dire à la personne, tout simplement, je cherche la municipalité, vous pouvez m'aider. Pardon monsieur, je cherche la municipalité, vous pouvez m'aider? Je cherche la municipalité, baladia. Vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'aider? Ça, c'est la première question qu'on peut poser. Donc, là, on peut aller la municipalité par n'importe quel endroit, d'accord? Et donc, après la vidéo, vous allez trouver une جموعة تاع صور مع مجموعة تاع الاماكن كيفاش كنسميوهم، مثلا البريد، مثلا l'hôpital, il a arrêté. Donc, c'est bon. Donc, je cherche la municipalité. Vous pouvez m'aider? Moustache-foi. Alors, donc, je peux poser la question avec directement, pardon monsieur, ou alors pardon madame, la municipalité, d'accord? Vous connaissez? أول شيء كنسولو واش بعدا كيعرف بعدا، مي دو توت فاسون ماشي الهدف هو أننا نعرفو المعنى تاع كل جملة، ولكن خصكم تعرفو أن كل سؤال راه كيعني نفس الشيء، يعني الهدف ديالو هو كنطلب الطريق، دوموندي سون شومان. ألوغ جو شيرش لا مونيسيباليتي، فو بوفي ميدي، لا مونيسيباليتي فو كونيسي، داكوغ؟ جو بو دير بيان إيفيدامون، لا مونيسيباليتي، سي بيان بار لا؟ C'est bien par là? C'est bien par là? Ou est-ce que le Galiban, quand on a trouvé les chiens, il a dit que nous avons sabré que nous avons trouvé un chien,
وباش نتاكدوا من شخص اخر كنعاودوا نطرحوا السؤال بهذه الطريقه لا مونيسيباليتي سي بيان بار لا وغايقول لك وي سينو غايقول لك لا راه الطريق اللي انت فيها راه ماشي هي هذيك وهنا غنشوفوا من بعد شنو هو الجواب على هذه الاسئله داكور دونك و alors je peux dire vous savez où est la municipalité vous savez où est Voilà. Vous savez où est la municipalité, vous savez où est l'avenue Flaubert, vous savez où est la poste, etc. D'accord ? Là, c'est en fait dans un contexte un peu qui n'est pas vraiment très officiel. Stamels, أسئلة مباشرة بسيطة جدا دابا غنشوف معكم اننا ممكن نطرحوا عفوا نفس الأسئلة dans un cadre officiel dans un cadre officiel avec notamment des expressions de politesse alors la même question on peut la poser en fait de façon beaucoup plus polie dans un cadre officiel et là on emploie le conditionnel alors le conditionnel c'est le mode de la politesse qu'on استعملو غالبا ما كنبغيو نطلبو شي حاجة من شخصين alors tout simplement je peux arrêter la personne pardon monsieur pardon madame pourriez-vous D'accord? Pourriez-vous? Et là, c'est le conditionnel, c'est le verbe pouvoir au conditionnel. Donc, pourriez-vous m'indiquer la municipalité? D'accord? La municipalité. Désolé. J'ai choisi un nom assez long. Alors, pourriez-vous m'indiquer la municipalité? Et je peux même ajouter. S'il vous plaît, d'accord? Ou alors je peux dire, je voudrais, pardon madame, je voudrais aller à la municipalité. Je voudrais aller à la municipalité. Pourriez-vous, et toujours le conditionnel, pourriez-vous m'aider? Pourriez-vous m'aider? D'accord? Ou alors, pardon monsieur. Pardon, monsieur, pourriez-vous m'indiquer où se trouve, voilà la même chose, m'indiquer ou alors me dire, m'indiquer où se trouve la municipalité, d'accord ? Donc voici trois questions qu'on peut poser à la même personne, mais dans un cadre officiel. يعني أكثر احترام بأكثر أدب. Voilà. Donc هاد la municipalité ممكن نعوضوها بأي مكان آخر. هادشي غنشوفوه في آخر الفيديو. قبل ما نمرو الجواب على هاد الأسئلة. خصنا ايضا نتعلموا كيفاش ممكن نطرحوا السؤال الا كنا مثلا ما بغيناش نمشيو لواحد المكان محدد مثلا كنبحث على مخبزه ولكن انا ما عنديش واحد المخبزه بالضبط انا كنبحث فقط على مخبزه اقرب مخبزه المكان اللي كنتواجد فيه او لا اقرب مثلا غيشي اوتوماتيك تاع لا بنك لاقرب واحد قريب ليا في داك المكان اللي انا فيه دونك هنا ما غنستعملش نفس الاسئله فهنا غنستعمل اسئله اخرى دونك ديجا ردوا معايا البال باردون مسيو باردون مدام جو بو ميم remplacer pardon par excusez-moi monsieur excusez-moi madame d'accord très bien alors la question que je vais poser dans ce cas là donc si je cherche par exemple une pharmacie juste à côté de moi ou alors la pharmacie la plus proche de moi je vais dire savez-vous excusez-moi monsieur savez-vous où se trouve La pharmacie la plus proche d'ici. La pharmacie la plus proche أقرب وحدة لينا هنا la plus proche d'ici. D'accord? Savez-vous où se trouve la pharmacie la plus proche? Alors si par exemple, on va poser la question avec le distributeur ou le guichet automatique من كناخذوا الفلوس D'accord, donc il a استعملت le distributeur. Le distributeur, alors là, je vais employer le plus proche.
D'accord, ça va devenir le. Savez-vous où se trouve le distributeur le plus proche d'ici? D'accord? Ou je peux poser la question comme ça. Regardez, je peux dire, y a-t-il une pharmacie près d'ici? Y a-t-il une pharmacie près d'ici? Y a-t-il... Pardon? Namakish, le 13 Union. Y a-t-il une pharmacie ou alors une poste près d'ici? Y a-t-il une pharmacie près d'ici? Voilà. Donc, il y a certainement d'autres questions, d'autres façons de poser la même question. Mais vous gardez juste les deux questions. Ce n'est pas la peine d'apprendre toutes les questions, toutes les versions quand même. Alors, excusez-moi, madame. Excusez-moi, monsieur. Savez-vous où se trouve la poste la plus proche d'ici? Ou alors, excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous... Pardon, y a-t-il une pharmacie près d'ici? Y a-t-il une pharmacie près d'ici? D'accord? Et voilà. Donc maintenant, on va passer à comment indiquer le chemin à quelqu'un.